Coucou les précieuses, bienvenue sur notre chaîne les JB Sisters. On se retrouve pour ce mois de décembre. Qui dit décembre dit make-up, fêtes, coiffure, Noël, cadeaux, 31. Vous partagez plusieurs petites vidéos, moi principalement de coiffure. Et moi ça va être surtout make-up, mais aussi je peux vous partager mes astuces coiffure, ce serait avec plaisir. Si je sais faire des coiffures, bon après moi je suis plutôt simple comparé à Amandine. Qui aime bien les vagues et les ponts et les terminer l'année en beauté. Et on commence maintenant. Pour réaliser cette coiffure, vous aurez besoin d'un petit peigne, d'une mousse râpe et d'un protecteur de chaleur. J'applique le protecteur sur l'ensemble de mes cheveux et je sépare la mèche du haut en la bloquant avec une petite pince. J'utilise ensuite ma mousse râpe que je vais appliquer sur le côté et je n'oublie pas mon petit peigne pour faire mes trois mouvements de vague. Regardez les filles, c'est vraiment très simple. Je n'hésite pas à ajouter de la mousse sur le côté pour bien définir mon mouvement. Et je reproduis exactement la même chose de l'autre côté. Je prends ensuite mon foulard et on va attendre entre 15 et 25 minutes. Et voilà! J'applique à nouveau du protecteur de chaleur sur l'ensemble de mes cheveux et on va passer au coiffage. Alors pour le lissage, je prends toujours mon petit fer à lisser et lorsque je lisse, j'arrondis vers le bas afin d'avoir du volume. Je reproduis exactement la même chose derrière et sur le côté. On passe maintenant à la partie du haut et on va la faire en 4 étapes. Première étape, on lisse vers le bas. Deuxième étape, on lisse vers le bas, légèrement sur le côté. Et pour la troisième et quatrième étape, on lisse en arrière avec un petit mouvement sur le côté. Je lisse à l'arrière pour avoir un peu plus de volume. Et maintenant, je prends du gel et un peu de cire pour bien plaquer mes cheveux derrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.
Et bisous tout le monde, et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et à bientôt.